Putain. C'était l'infidèle. Au moins je sais qu'il est vivant. Tire dessus! Je crois que ça venait de là-bas! Tu nous échapperas pas! Thank you.
Encore là.
petit? Vous êtes encore là? Faites pas un pas de plus! C'est moi! Désolée. Comment elle va? Je dois bouger ton bras. Où est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, Alice, baisse ton arc, c'est bon. Non, baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Ça s'appellera. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher C'est ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois. C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby? Abby? Hé! Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir.
Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle ? Fais pas de conneries, ok ? Chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Et comment il s'appelle, lui ? Owen. Mel. Owen. Ami. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles ? La passerelle est là-bas. Le chemin là, on dit vers le centre-ville. Oh, grands immeubles, comme tu dis. Tu ne seras capable de nous guider après ça ? La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides ? Ouais. Tous les rapides ? Ouais, ouais. En quelques heures seulement. Je n'en pas. Ok. Oh, le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour prendre le nom ? Eh ben... faudra qu'elle essaie de l'opérer avec ce qu'Owen a sous la main. Ce serait pas l'idéal. Tu penses qu'il va s'en sortir ? Si on récupère le matos, ouais. Elle a de bonnes chances. Vous savez que nos chiens savaient jouer aux cartes aussi. J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens te trouvent drôle d'habitude ? Non. C'est quoi le syndrome des loges ? C'est quand trop de pression s'accumule dans tes muscles. Le sang circule plus correctement dans les tissus. Les tissus ? Un genre de peau à l'intérieur du corps. Non, peut-être pas. J'ai grandi entouré de médecins, comme Mel. Une minute. Cool. Merci beaucoup. Bien.
voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Fais gaffe au bout de verre. Oh merde. Tu vas bien? Ça va. C'est sûr? Je te dis que ça va. Bon, on approche de ton immeuble. Il va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. On voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils ont après vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai des devoirs. Eh ben, pourquoi tu l'as fait, alors? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais.
T'en sers depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt doué. Tu devrais voir Yara. C'était quoi déjà? Faut que je vérifie le code. Vérifier le code.
déjà. J'ai réussi. On va peut-être essayer de descendre. Merde! Des démons.